Bonjour à tous. Je prends aussi, pour commencer, un petit moment pour adresser mes remerciements. Un grand, grand merci à tous ceux qui ont permis ce colloque par leurs invitations, leur travail. Merci à Souleymane Bachirdiane, merci à Adiba pour l'accueil que vous nous offrez. Puis aussi, si je puis me permettre, à un petit instant, un remerciement à Guillaume Waterloo et la faculté de théologie qui me permettent de vivre ce colloque en fin de parcours doctoral. C'est un honneur et une grande joie. J'en viens à mon sujet. Le thème de l'universalité de la prière est un thème assez commun de ce que nous pourrions appeler avec Pierre Gisèle les sciences religieuses ou la philosophie religieuse. La littérature que je vise ici, et dont par ailleurs je ne suis pas spécialiste, dont je n'y resterai pas longtemps, c'est toute une série de textes de philosophie de l'histoire de la religion qui se fondent eux-mêmes sur une vision déjà religieuse de l'humain et du monde. Par exemple, ce sont toutes ces études qui s'appuient sur la thèse d'une fonction proprement religieuse ou spirituelle de la conscience, c'est la thèse de l'homo religiosus, et au-delà de cela, c'est la thèse selon laquelle cette fonction spirituelle de la conscience permet aussi à l'humain d'accéder à la vérité de sa propre nature. À ce titre, je vise aussi toute la littérature qui pourrait s'inscrire à la suite du travail de Schleiermacher, selon qui ce qui est premier dans l'histoire religieuse, c'est un certain sentiment, Gefühl, de quelque chose de plus grand, particulièrement excité dans les situations d'infortune, de malheur, et qui permettrait à l'humain de reconnaître sa dépendance originaire à l'égard de ce qui le transcende. Le Créateur a mis dans le cœur de l'homme, dit le Qohélète, la pensée de l'éternité. Et donc nous y sommes. Dans le contexte de cette tradition, de cette littérature, le thème de l'universalité de la prière relève de l'évidence. On pourrait même dire que ce sont justement par ces surgissements dynamiques de prière que l'homo religiosus est supposé se manifester. À ce titre, la nature religieuse de la conscience humaine serait en même temps une nature priante. L'homo religiosus se décline en homo orans. Si partout et toujours l'homme a prié, dit par exemple Charles Bois, dans la définition de la prière qu'il écrit pour l'Encyclopédie des sciences religieuses en 1877, c'est parce qu'il a eu partout et toujours le sentiment de sa faiblesse et le sentiment d'une puissance supérieure dont il dépendait. Si tous prient et ont prié, dit Friedrich Heiler dans sa monographie sur la prière, 1918, c'est que tous sont habités par un profond sentiment de dépendance. Alors, regardons cela. Ce à quoi je vous propose d'accorder brièvement notre attention, c'est au geste par lequel on en vient à formuler une telle affirmation. On pourrait résumer assez simplement les termes de cette rhétorique. Les auteurs cités à l'instant, Heiler, Charles Bois, en écrivant que tous prient ou ont prié, en écrivant que partout et toujours l'homme prie, entendent formuler des descriptions. La description d'une pratique de la prière qui serait universellement en partage. De toute évidence, pourtant, c'est une contradiction de logique formelle. Il n'y a pas de description du général, il n'y a de description que du particulier, si vous acceptez que nous mettions de côté le problème de l'usage des notions de description par les phénoménologues. Bref, dans les extraits que j'ai cités, de toute évidence, la réalité observable est forcée par un geste qui est de nature déductive et qui n'a de fondement que dogmatique. Pour que tous prient, il faut non seulement que la conscience ait une fonction religieuse, il faut que cette fonction religieuse se caractérise par une aspiration vers un principe qui la transcende, dans une relation de dépendance ontologique, et il faut qui plus est qu'elle se le représente comme personnelle, sinon quoi, elle ne s'adresserait pas à lui. Mais bien sûr, rien de tout cela n'est évident, et rien de tout cela n'est observable. Si l'on m'autorise une expression de la langue commune, dire que partout et toujours l'homme a prié, c'est prendre ses désirs pour une réalité. Et d'ailleurs, pourquoi désirerait-on que cela soit vrai? Parce qu'en instant, en un sens, on estime que cela serait un garant de la validité de la prière. Là aussi, il y a un saut argumentatif qui n'a rien d'évident. On estime que si la prière surgit partout et toujours, c'est le signe qu'elle n'a rien d'arbitraire, qu'il y a quelque chose de vrai qui se joue en elle. Mais cela non plus, donc théoriquement, ça n'a rien d'évident. Je cite Jocelyn Benoît. C'est un trait définitionnel de la notion de vérité, dans sa transcendance logique, qu'il soit logiquement possible que la conviction universelle soit une erreur. Soit. Dans le contexte de cette proposition, je voudrais avec vous essayer un autre geste. Admettons que nous ne renoncions pas complètement à l'idée selon laquelle il y a quelque chose de commun, voire d'universel, qui se joue bel et bien au travers de la prière. Théoriquement, rien n'oblige à le croire. Mais l'inverse non plus. En fait, tout dépend bien sûr de ce qu'on entend par prière et nous y viendrons.
Alors pour tester cette idée, celle de l'universalité de la prière, la valider ou s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, il faudrait procéder de façon plus rigoureuse et non pas, comme tout à l'heure, forcer la description, falsifier la preuve d'une déduction qui n'était en fait fondée que de façon dogmatique, mais peut-être à l'inverse s'inscrire pleinement dans la description. Car s'il y a de l'universel, nécessairement, il s'exprime au travers du particulier. Alors épousons pleinement le particulier et regardons au plus près de lui s'il y a en lui quelque chose qui ne peut pas appartenir qu'à lui. Regardons par exemple, et c'est mon choix ici, à la prière chrétienne. Qu'est-ce qui, dans la prière chrétienne, pourrait ne pas appartenir qu'à elle ? Y a-t-il quelque chose de trop humain dans la prière chrétienne pour qu'elle puisse se le réserver à elle seule ? Pourrait-elle, chez l'autre, être le nom de quelque chose qui appartient à tous ou que tous connaissent ? Y a-t-il en elle, donc, en, ou non, quelque chose qui pourrait faire signe vers de l'universel ? Pour répondre, il faut alors voir de quoi parlent les chrétiens quand ils parlent de prière. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que la prière en christianisme ? Nous pourrions nous appuyer sur les travaux définitionnels déjà existants. Je montrerai rapidement qu'on est pourtant en droit de s'en insatisfaire quand on cherche une définition qui rende véritablement compte de la multiplicité des expériences qui peuvent être faites de la prière en christianisme. Donc, quand on cherche une définition de la prière qui procède comme une généralisation à partir de la description. Par exemple, pour être au rendez-vous de la multiplicité des formes que prend la prière, une large majorité de définitions de dictionnaires proposent d'en décliner une série d'espèces au sein d'un même genre. Généralement, on distingue les prières par leur contenu. On dit que la prière peut être louange, qu'elle peut être demande, action de grâce, bénédiction, repentance, etc. Mais distinguer les prières par leur contenu, c'est poser qu'elles en ont toujours un. Ce qui n'a rien d'évident. Cela n'inclut pas dans la définition les formes de prière qui ne peuvent pas être transcrites, celles qui sont non-verbales. Que faire alors, par exemple, de celle que Madame Guyon appelle la prière de simple présence ? Parmi les définitions de la prière existantes, on contourne le problème de la restriction de la prière aux actes linguistiques en la définissant, par exemple, plutôt par sa fonction. Là encore, il y aurait différentes fonctions de la prière qui peuvent être identifiées. C'est par exemple ce que l'on trouve dans l'Encyclopédie philosophique universelle dirigée par Sylvain Auroux. On y lit que la prière remplit trois espèces de fonctions. 1. L'union de l'homme avec le divin. 2. L'adoration du divin. Et 3. La demande de l'homme en vue de l'intervention du divin dans les affaires terrestres. Mais là aussi, nous pouvons nous insatisfaire de cette proposition. Car parle-t-on d'une fonction consciente de la prière, et donc d'une intention dans la pratique de la prière ? L'intention de s'unir à Dieu, de le louer ou de lui demander d'intervenir. En réalité, toutes les expériences de la prière ne sont pas intentionnelles. Quand la prière jaillit à travers soi, quand on se surprend prier, on ne prie pas pour ou dans l'intention d'eux. Ou alors parlait-on d'une fonction objective des pratiques, comme lorsqu'on dirait tout simplement « Donne-nous notre pain du quotidien » est une prière de demande. Là aussi, c'est insuffisant. Il est tout à fait possible de formuler une prière de demande sans que l'expérience intérieure soit à l'adresse d'une demande. Par exemple, lorsqu'on récite « Donne-nous notre pain quotidien » sans penser à ce que l'on demande parce qu'on pense à autre chose. Là, on ne récite pas avec l'intention de demander du pain puisqu'on ne fait pas attention à ce que l'on fait. Désormais, comment définir la prière tout en prenant au sérieux la multiplicité de sa phénoménalité ? Posons d'abord simplement une chose. Dans mon travail, j'ai essayé une méthode en particulier. On pourrait parler d'un nominalisme de méthode. La prière n'est pas une chose dotée d'une réalité ontologique propre, c'est un mot. Un mot que des individus emploient en tant qu'il véhicule du sens. Un mot que ces individus portent au-devant d'une expérience qu'ils s'apprêtent à faire. Et un mot qu'ils emploient pour organiser a posteriori l'expérience qu'ils ont à dire. En bref, le mot « prière » est le produit de l'activité humaine la plus ordinaire, une activité culturelle de symbolisation. Or, il me semble qu'en christianisme, lorsqu'on recueille les différentes manières d'employer le mot « prière », on peut repérer certaines régularités à partir desquelles il est possible d'établir des généralisations. En l'occurrence, je crois que le mot « prière », lorsqu'il sert à désigner des expériences, peut être employé de deux manières. Je mets de côté l'usage strictement conceptuel du mot « prière », je me concentre sur les usages pour désigner des expériences. Il me semble que le mot sert parfois à désigner un type d'activité, soit il sert à désigner un type de sentiment. Détaillons cela.
que la notion de prière désigne des expériences qui sont des activités, où il s'agit de faire quelque chose, d'être actif, correspond à la signification grammaticalement la plus évidente. Le mot prière est le substantif du verbe prier, qui est un verbe d'action. Mais il est possible de distinguer deux grands types de prières actives selon le type d'implication du sujet à son faire. Soit l'activité est volontaire, c'est la pratique volontaire de la prière, je le détaillerai bientôt, donc c'est quand on se décide à prier. Soit l'activité de prière est spontanée, c'est la pratique de la prière qu'on pourrait dire réflexe, qui jaillit du cœur spontanément. Regardons à l'action volontaire. Lorsque la prière est volontaire, ce qu'on en vient à désigner, ce sont des pratiques de prière, quelles qu'elles soient, selon les codifications en vigueur. On prie seul ou en groupe, debout ou assis, par des chants, des danses, de façon immobile. Même en christianisme, évidemment, les codifications de la prière sont d'une diversité réelle. On pourrait dire à partir de cela que la prière, c'est la pratique religieuse par laquelle il est question de communiquer avec Dieu. Et la prière est chrétienne lorsqu'elle s'articule à une représentation du divin que le sujet revendique lui-même comme chrétienne. Je dis que la prière est la pratique religieuse par laquelle il est question de communiquer et non pas de s'adresser, parce que nous le disions tout à l'heure, la prière n'est pas nécessairement vécue comme une expérience d'émission. Elle peut aussi être vécue comme une expérience de réception, quand par exemple on se dispose à entendre Dieu. C'est l'expérience par exemple de l'lectio divina. Je dis aussi que dans la prière, il est question de communiquer avec Dieu, parce que la communication est la norme religieuse et théologique de la prière. C'est ce qu'on est censé y faire, parce que c'est son idéal théologique. C'est-à-dire que même la personne qui prie sans y mettre son cœur, comme on disait tout à l'heure, sait qu'elle déroge à ce que la prière est censée être. Pour le dire autrement, la pratique effective de la prière n'est pas nécessairement alignée aux idéaux théologiques religieux. À ce titre, on peut dire que l'action de prier se définit essentiellement par ses normes, par ses codes, avec lesquels l'individu négocie, relativement auxquels il fait peut-être preuve de créativité, des codes, des normes auxquels il donne aussi un certain sens, selon l'enseignement qu'il reçoit, et selon sa manière de le faire mûrir en lui. À ce titre, si nous revenons à nos moutons, bien sûr, la prière entendue comme pratique religieuse n'est pas universelle. Elle est un fait social. Le déploiement de la prière est articulé symboliquement à une religion instituée selon ses codes et ses normes spécifiques. Ensuite, je parlais d'un autre type d'activité. C'est le geste de la prière qui n'est pas volontaire. Il y a des prières spontanées, des comportements de prière, c'est ce que décrivent les croyants. Presque des réflexes de prière. C'est par exemple le cri de détresse ou le cri de louange, ou alors aussi le dialogue intérieur avec Dieu. Le dialogue de l'âme avec elle-même prend en effet la forme, parfois chez le chrétien, la forme d'un dialogue intérieur avec Dieu. On parle alors non pas ici de prières qui sont engagées personnellement, volontairement par le sujet, mais de prières qui ont lieu, qui adviennent, qui surgissent du quotidien ou l'accompagnent en son cours, sans qu'il soit question de s'y résoudre, et qui ne peuvent surprendre le sujet lui-même qu'à posteriori de leur amorçage. Ici, la prière désigne donc toujours une activité, mais une activité qui est amorcée de façon irréfléchie ou involontaire, c'est-à-dire sans être précédée par la formalisation intérieure d'une attention. Elle advient à travers soi, par une induction d'abord étrangère, mais que la conscience ensuite discerne et élucide a posteriori. Le croyant peut d'ailleurs parfois se réjouir de voir son corps prier presque sans lui. Là, il me semble assez clair aussi que cette forme de prière n'a rien d'universel, et cela tient tout entier dans l'analyse de la notion de comportement. Le comportement, l'action spontanée, est le produit d'un apprentissage, d'une intériorisation. C'est le fruit d'une socialisation, d'une habituation. C'est très clair dans la tradition spirituelle catholique, puisque François de Sales, par exemple, explique à Philothée et Théotime que pour créer en eux la disposition à la prière permanente, c'est-à-dire à préparer ces prières qui jaillissent du cœur, il s'agit, dit-il, de commencer par poser des actes de prière particuliers. Donc le comportement est le produit d'une pratique au long cours. Autrement dit, c'est bien ça, c'est la régularité de la pratique volontaire qui prépare l'advenue de la prière spontanée. Mais c'est aussi tout à fait apparent dans le motif du cri de détresse, l'appel à Dieu jaillit de la souffrance. Cette prière-là, parce qu'elle jaillit de façon immédiate, on a pu dire en sciences religieuses que cela correspondait à de la prière pure. C'était la thèse de Friedrich Heiler. En fait, je ne vois pas trop ce qu'elle a de pur, parce qu'il y a énormément d'implicites dans le cri de détresse qui ne peuvent être le produit que d'un apprentissage, d'une socialisation.
Regardons, par exemple, au cri de détresse de Job. Dieu lui répond avec virulence. Pourquoi ? Parce qu'il met en procès la théologie implicite à la plainte de Job. Quelle est cette théologie implicite ? Pour adresser à Dieu sa complainte en temps de détresse, il ne suffit pas seulement de se représenter que Dieu existe. Il faut se représenter, 1. Qu'il est le garant de ce qu'il se passe, 2. Qu'il est le garant d'un ordre moral et d'une justice immanente, au sens où l'expérience de la souffrance paraît être injustement induite ou permise par Dieu lui-même. Et on peut aussi rajouter que cela implique aussi, 3. Que Dieu s'intéresse à la complainte, notamment parce que, 4. Il est un Dieu personnel, et en un sens, si Job s'adresse par Dieu à sa complainte, c'est aussi parce qu'il estime que, 5. Dieu pourra intervenir en sa faveur, c'est-à-dire rétablir l'ordre dérangé dont il est le garant. Bref, c'est au gré d'une certaine sophistication intellectuelle que la souffrance est transformée en un cri de détresse à un Dieu tout-puissant auquel il est possible de s'adresser personnellement. Là, la prière n'est pas universelle et je crois même qu'elle ne relève même pas du théisme, parce qu'il ne suffit pas d'être théiste pour prier. Elle est le commun des religions qui non seulement croient en du Dieu, mais croient en du Dieu personnifié, au sens où il est possible de s'adresser à lui. La prière implique Dieu et plus encore, elle implique un Dieu priable. Désormais, continuons. Nous disions que le mot prière ne sert pas seulement à désigner des expériences actives. Il peut aussi désigner l'expérience d'une transformation corporelle, affective. La prière est parfois le nom d'un sentiment. Quel sentiment ? Vous avez peut-être déjà entendu des expressions du type en christianisme. Pour les autres religions, je n'en sais rien, je ne m'avance pas. Je ne serais pas étonnée que cela existe. Je me suis sentie comme en prière. Je suis entrée dans un état de prière. Quelles sont ces expressions ? Ce sentiment est parfois induit par la pratique de la prière. Il induit parfois lui-même de la prière spontanée. Mais le mot prière sert aussi spécifiquement à le désigner, lui, comme sentiment. Quel est ce sentiment ? Comment le caractériser ? Commençons par tâcher d'en rassembler une idée confuse, dirait Descartes, à partir des descriptions disponibles. On entend souvent que c'est une expérience difficile à décrire. On entend parler de plénitude, d'expérience comblante. Il est aussi question d'un profond sentiment de paix. La prière ici n'est pas dite ou faite. Elle correspond à un état vague, dirait Joseph II, et un état d'intensité variable. Or, j'avance rapidement ici, mais il me semble que ce qu'on peut repérer, c'est que ce sentiment se caractérise par deux dimensions. Une dimension affective, c'est l'émotion agréable, le plaisir, la douceur, mêlée de joie, de paix, le sentiment de plénitude lui-même, et une dimension cognitive. C'est le sentiment d'accéder à une vérité, celle d'appartenir à un tout plus grand que soi, qui, en tant que tel, a plus de valeur que soi-même. Or, un autre trait important de la prière comme sentiment, c'est que dans la description de sa dimension affective comme cognitive, dans l'expérience qui en est faite, elle semble venir du dehors. Le plaisir perçu dans le corps est comme l'effet d'une caresse, alors que la découverte de l'appartenance fait l'effet d'une révélation. Dans la spiritualité catholique, on parlerait sans doute de contemplation. C'est l'expérience même de l'amour de Dieu en tant qu'on se perçoit affecté par Dieu lui-même. On parlerait aussi sans doute d'oraison, ce synonyme de la prière qui provient du latin ad orare, le bouche à bouche, le face à face. C'est la rencontre avec Dieu. Bref, la prière est ici à la fois une transformation de l'état du corps, plaisante, douce, paisible, heureuse, joyeuse, et une transformation des représentations ou de l'activité de l'esprit. Une transformation qui induit un nouveau rapport du sujet à lui-même, par ce que nous pourrions appeler une dissolution des contours de l'ego, puisqu'il se saisit lui-même de façon relationnelle, en tant qu'il est le membre d'un tout, le vivant, les croyants, l'Église auquel il communie, et pris dans une relation intime avec Dieu. Or, il est temps, je crois, de passer de l'idée confuse à l'idée claire, car en réalité, ce que nous décrivons là, c'est exactement ce que Descartes appelle l'amour. L'amour pourrait donc être la réponse claire et distincte à cette question de la nature du sentiment que le mot prière cherche parfois à nommer. Détaillons cela en retournant au texte de Descartes. En vertu de la thèse de l'union de l'âme et du corps, pour Descartes, que l'amour soit une passion de l'âme est telle que sa réalité ne peut se penser que par la dualité de ses dimensions dans l'expérience. L'amour a une dimension sensitive et il a une dimension intellectuelle. La part intellectuelle de l'amour désigne le résultat d'un exercice de la pensée, qui en tant que tel n'est pas toujours sage. Il peut relever de l'opinion, c'est-à-dire de la croyance reçue.
croire, dit Descartes, c'est toujours recevoir en sa créance. Cette part intellectuelle de l'amour, c'est le jugement selon lequel on forme un tout avec l'objet qu'on aime. L'amour, dit Descartes, ce me semble autre chose sinon que, lorsque l'âme aperçoit quelque bien, soit présent, soit absent, qu'elle juge lui être convenable, elle se joint à lui de volonté. C'est-à-dire, elle se considère soi-même avec ce bien-là comme un tout dont il est une partie et elle l'autre. Mais l'humain est âme et corps. Et il y a donc aussi une part sensitive de l'amour, nécessairement articulée à la première, intellectuelle. L'amour intellectuel est articulé à la mécanique du corps, il met en mouvement. Quel mouvement ? On pourrait d'abord penser au désir. Pour Descartes, le désir était en effet la passion par laquelle le sujet veut se joindre à l'objet, et donc ce par quoi il s'efforce de ne faire qu'un avec lui. C'est l'énergie déployée par l'expérience de conversion, par exemple, lorsqu'en tout cas, le sujet se perçoit éloigné de l'objet qu'il aime et qu'il a l'espoir de le rejoindre. Dans l'amour pour Dieu, le désir, c'est l'énergie qui procède effectivement de l'expérience de conversion. L'amour détermine physiologiquement le corps au mouvement. Mais il n'y a pas que le désir qui correspond au mouvement dans l'expérience de l'amour. Il y a aussi simplement la passion elle-même, l'agitation corporelle, joyeuse, heureuse, amoureuse, suscitée tout simplement par la représentation de la chose aimée, qu'elle soit présente ou absente, réelle ou imaginée. On a là la pureté du sentiment amoureux. Il y a une telle liaison entre l'amour raisonnable et l'amour sensitif, écrit Descartes, que lorsque l'âme juge qu'un objet est digne d'elle, cela dispose incontinent le cœur au mouvement qui excite la passion d'amour. C'est la force de la description cartésienne de l'amour à mon sens, la représentation intérieure de l'objet d'amour émeut le corps passivement, même en son absence, même lorsqu'il s'en est éloigné, et avant même l'effort de le rejoindre s'il en a l'espérance. À l'expérience religieuse, c'est une évidence. Le croyant peut aimer Dieu avant l'expérience mystique ou avant que ne s'accomplisse la fin des temps. Ce qui est remarquable dans cette définition cartésienne de l'amour, écrit Ricoeur, c'est qu'elle isole très heureusement une émotion non militante et en quelque sorte contemplative. Et si l'amour, c'est la délicieuse émotion par laquelle on a le sentiment de faire un avec la chose que l'on aime parce que l'on chérit l'idée que ce tout a plus de valeur que les parties, alors oui, il se confond parfaitement avec ce que nous avons appelé jusqu'ici le sentiment de prière, un sentiment de communion, puisque nous retrouvons exactement les mêmes éléments descriptifs. Alors qu'en conclure ? Si la prière, parfois, n'est rien de moins, ni rien de plus au fond, qu'une variation sur l'amour quand il prend Dieu pour objet, alors il est bien une variation sur l'universel. Mais l'universalité de la prière, en ce sens bien précis, ce n'est pas l'universalité de l'intuition de l'existence de Dieu. C'est l'universalité de la possibilité d'aimer, de sentir en soi la résonance d'une intuition, ce tout plus grand que moi et auquel j'appartiens toutefois, a plus de valeur que moi seul. La prière comme variation sur l'amour, variation sur les objets de l'amour, fait bien signe sur l'universel, car à qui appartient l'amour en effet ? Il appartient au corps en tant qu'il est uni à l'esprit, et il appartient à l'esprit en tant qu'il est uni au corps. Il appartient à l'humanité en tant qu'humanité, voire encore, si l'on quitte Descartes pour rejoindre Bergson, il appartient peut-être en substance à la vie dès lors qu'il y a de la vie, c'est-à-dire tout juste un peu de conscience et tout juste un peu de matière. En ce sens, qu'est-ce que cela signifierait ? Je m'aventure sur ma conclusion qui est très questionnante, qui est très 2h du matin. Eh bien, d'abord, peut-être qu'il n'y a pas des spécificités du sentiment religieux, puisqu'en réalité, toute expérience de l'amour, quel que soit son objet, l'amour de l'enfant, l'amour de l'époux, de l'épouse, l'amour de l'ami, ou encore l'amour de l'animal peut-être, contient déjà en tant qu'amour, en substance, tous les traits qui font le sentiment de communion que la prière nomme parfois et que la religion chrétienne chérit tant. C'est cette expérience du corps ému par cette idée heureuse, le sujet ne s'appartient pas qu'à lui-même. En somme, en ce sens, la prière est simplement le nom que prend l'amour quand l'amour prend Dieu pour objet. Et alors, est-ce que nous aboutissons à un relativisme ? Eh bien oui, évidemment, absolument. Dans un cadre théorique cartésien, nous serions forcés de dire que, sans doute, certes, l'amour pour Dieu se cultive, mais avant tout, il se reçoit. De la même manière que nous ne choisissons pas ce en quoi nous croyons d'abord, nous ne choisissons pas d'abord les objets de notre amour, de la même manière que nous ne choisissons pas les passions, ceux de notre répulsion. Chez les philosophes classiques, on peut dire par exemple que les passions sont contagieuses, qu'on les reçoit d'autrui.
D'ailleurs, cette contagion est moins sociale qu'elle est relationnelle. C'est d'un certain corps à un certain autre qu'elle se joue. On aime parce qu'on est aspiré... Vraiment, j'ai les oreilles. On aime parce qu'on est aspiré par quelqu'un qui aime. Il semble d'ailleurs à Malebranche que certains esprits jouissent d'un pouvoir d'imposer leurs impressions et leurs affects aux autres en leur donnant peu à peu leur même caractère. Je pensais aux héros mystiques chez Bergson qui aspirent à eux derrière eux. Mais donc, quoi qu'il en soit, sur cette réalité passionnelle, telle qu'elle est vécue au moment T, le sujet n'a d'abord pas de prise. Il ne choisit pas lui-même au moment où il est ému comment il s'émeut. Relativisme donc, oui. Mais il me semble que la définition cartésienne de l'amour permet aussi de formuler positivement cette expérience d'une tension entre relativisme et exclusivisme que nommait hier Anthony Fenoy. Car c'est l'incarnation qui fait la force de l'attachement à une représentation comme vraie, alors même que l'intelligence la sait, au fond, toute relative. J'en viens ainsi à me demander, à partir de cela, ne doit-on pas restaurer ce que nous avons appelé jusqu'ici les relations tribales ou traditionnelles ? Comment parler de clôture quand l'expérience de l'amour est toujours déjà en tant que telle une expérience d'ouverture ? Toute tradition ne peut-elle pas cheminer vers une éthique et une politique de paix depuis l'amour même le plus exclusif qu'elle porte à ses objets ? En tout cas, que l'on trouve déjà dans l'amour même le plus exclusif le signe irréductible de l'ouvert, c'est une idée à laquelle la révélation chrétienne ne peut pas être hostile elle-même. Le Christ ne se révèle qu'à quelques-uns. Il se révèle essentiellement à 12, et parmi ces 12, la tradition johannique dit même qu'il y avait un disciple bien-aimé. Alors voilà peut-être la question que je me pose ce matin. En quoi dirait-on que l'amour monolatrique, qui connaît l'existence d'autres dieux, mais ne s'attache qu'à un seul, serait-il en tant que tel un amour qui serait moins amour que les autres ? Merci. J'ai deux questions très rapides pour toi, Chloé. Elles sont ce que tu as dit, et moi je suis d'accord sur le fait que le cri de détresse est un cri d'amour aussi, et que la prière de ce point de vue-là est amour. Et ce à quoi je pense, c'est le cri de détresse de George Floyd. George Floyd, en train d'être tué par ces policiers qui l'empêchent de respirer, c'est un géant puissant et qui appelle sa mère. Et ceci a frappé tout le monde. Il appelle maman au dernier moment avec son dernier souffle. Et je me suis dit, au fond, le plus grand nom de Dieu à la recherche de quoi notre ami Khalia Haidara est lancé, c'est la mère peut-être. Peut-être que le nom le plus grand de Dieu, c'est maman. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là où il voit qu'il va mourir, son esprit va vers la compassion même. La seule personne dont il puisse penser qu'elle l'aime davantage qu'elle-même, c'est-à-dire sa mère. Et la figure de la mère ici devient, au fond, cet amour de Dieu. Il dit « Maman », comme on dirait « Lord have mercy ». Parce qu'elle est devenue the figure itself of mercy in a way. Et ça, c'est, il me semble que ça va dans le sens de ce que tu dis. Dans la plus profonde détresse où on a la pauvreté la plus absolue, c'est nous-mêmes qui devenons des prières. La prière n'est pas ce qu'on dit, mais la prière est ce qu'on est. Et j'ai retiré cela de ton propos. Alors, la question maintenant, c'est quelle place fais-tu à l'idée de prier pour quelqu'un ? Parce que tu as parlé de la prière dans un jeu « Es-tu avec Dieu ?» Qu'est-ce que ça veut dire que je te dise, par exemple, tu me dis « Je vais aller à Rome » et je te dis « Ne m'oublie pas dans tes prières. Ah, »« Ne m'oublie pas dans tes prières, prie pour moi. » Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, avec mon « il », je viens briser ton « Je es-tu avec Dieu ?» Ça me rappelle une parole d'un soufi. Un homme vient le voir en disant « Je voudrais que quand vous êtes vraiment tout seul avec Dieu, que vous ayez une prière pour moi. » Il dit « Mais si je suis tout seul avec lui et que tu t'introduis, je ne suis plus tout seul avec lui. » Donc, apparemment, il lui dit « Ne m'oublie pas dans cette prière, ça n'a pas de sens. » En revanche, ce qui est important, on ne le sait pas toujours. Quand Omar ibn al-Khattab dit au prophète de l'islam « Je vais aller pour la Umrah », le prophète lui dit « Ne m'oublie pas dans tes prières. » C'est le prophète de l'islam lui-même qui lui dit « Ne m'oublie pas dans tes prières ». Et Omar a toujours dit que c'était la parole la plus importante pour lui dans sa vie. Et donc, on a les deux cas qui se... Voilà. Tu vois, je suis désolé d'être un peu plus long que je ne pensais, mais c'est la,
le plaisir que j'ai eu à vous entendre. Quand tu commençais, je faisais un rapprochement entre prière et athéisme. Puisque tu parles de l'universalité de la prière, je m'étais dit que bon, donc l'athée peut donc prier au même titre que le croyant, que le religieux. Mais tu as dit dans ta conclusion que l'universalité de la prière ne signifiait pas forcément l'universalité du sentiment de ce divin-là. Donc là, je peux en tirer la conclusion que si l'athée ne prie pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas ce sentiment du divin. Alors s'il prie aussi, bah, la question c'est exactement ça, s'il prie, comment le fait-il dans la mesure où la définition que tu donnes de la prière met toujours la relation entre l'homme et le divin. Donc, ce qui devrait être ma question, c'est l'athée prie-t-il ou non? Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair ou pas. Donc, c'était ça, athéisme et prière. C'est une excellente démarche de ne pas partir de l'idée que Dieu est présupposé, mais de partir de l'expérience humaine en tant que telle, en la décrivant au plus près. Un effort pour suivre l'expérience au plus près, jusque une microphénoménologie qui est une des fortes originalités de ta thèse. Alors cela dit, puisqu'on suit les mouvements d'une conscience incarnée, qui est corporelle, elle a tout de même une intentionnalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu radicalises fort le fait que bah, Dieu on suspend. Mais en fait, la conscience disposée, donc disposée religieusement, est orientée vers un quelque chose qui vient à elle. Alors bien sûr, ce n'est pas un objet comme les autres objets de l'expérience qui peuvent être donnés et éprouvés universellement. Donc tu as sans doute raison de dire que bah, il n'y a pas à proprement parler d'universalité de cette expérience, parce qu'il faut qu'elle ait lieu. Qui nous dit qu'elle ait lieu nécessairement ? N'y aura-t-il pas, dans les sociétés contemporaines d'ailleurs, d'Europe occidentale ou d'Amérique, des personnes qui ne l'éprouveront pas du tout ? On pourrait même dire que les sociétés se disposent un peu dans cette direction. Ça pourrait ne pas être éprouvé du tout. En revanche, si c'est éprouvé, ça renvoie bien à quelque chose. Au sens où, mais ce quelque chose n'est pas un objet de l'expérience ordinaire, et en réalité, il est bien insaisissable en tant que tel. C'est-à-dire qu'il produit un effet sur nous, induit une disposition, produit des figurations et des métaphores, mais n'est pas saisi, il est toujours au-delà. Alors, et c'est pour ça que c'est le terme relativisme qui me paraît un peu discutable dans ce que tu dis. Je me demande si c'est le meilleur terme, parce que à cause de la dualité de sens. Alors, relativisme, ça veut dire, ben, pour les uns, oui, pas pour les autres, c'est relatif, ça dépend de la situation, ça peut même dépendre pour une même personne des moments. Mais ça veut dire aussi, il n'y a rien d'absolu. Et là, je me demande si ça coince pas un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait objecter le fait que, ben, attendez, si vous évacuez une des caractéristiques quand même essentielles de l'expérience religieuse, c'est-à-dire que quand elle est vécue, elle se donne comme quelque chose qui excède toutes les autres expériences ordinaires, le mot relatif et relativisme, à mon avis, va pas. Moi, en fait, je ne l'aime pas, ce mot. Je préfère beaucoup, bien sûr, pluralisme, je préfère beaucoup les termes qui évoquent le fait que Dieu n'est pas saisissable, la réalité, l'ultime n'est pas saisissable. Mais dire que ça nous met dans le relativisme, j'ai un petit problème avec ça. Donc ce sera à titre de complément. Concernant l'échange de Chloé avec Guilin, je me demande s'il n'y a pas une piste pour toi du côté de ce que Descartes appelle la convenabilité de l'objet, puisque le convenable est inscrit dans le mot. Donc c'est juste une piste de réflexion pour toi. Je ne sais pas ce que ça pourrait apporter. Bonne idée. Il me semble qu'il est possible d'assumer l'idée selon laquelle quand on observe une situation de prière, d'intercession, Dieu est là sans être... Enfin, Dieu n'est pas forcément au centre de l'attention. Qu'il se joue quelque chose dans la prière qui donne une occasion à une autre relation d'être expérimentée, celle entre l'intercesseur et l'intercédé. Voilà. Je suis assez ouverte à cette possibilité, d'autant qu'en fait, ici, la prière devient le moyen par lequel cette relation peut avoir lieu. Et j'ai essayé de décrire que la prière peut même être employée comme une manière de prendre soin. Dieu le permet, mais en même temps, il s'absente de ce moment où, par la prière, on prend soin de quelqu'un qui l'a. Mais on pourrait faire d'autres observations. Alors, par exemple, les prières qui sont faites en public et par lesquelles on va communiquer un message au public qui est présent. Là aussi, Dieu donne une occasion et en même temps, la prière sert à échelle toute horizontale. Il me semble que c'est possible de décrire ces
tous ces phénomènes qui s'entrecroisent dans le moment de la prière sans que ce soit contradictoire, en fait. Même si, effectivement, on sort de la théologie, parce qu'on sort de l'idéal, peut-être. Mais bon. Je répondrai à la question de l'athéisme à la toute fin, parce qu'il me semble que je peux rassembler votre deuxième question et celle de Guilin. Mince, j'ai perdu un bout. Ah oui. En réalité, c'est... J'essaye de ne pas dire ça trop naïvement, mais c'est cette expérience de l'amour de la mère et de l'enfant qui me fait dire qu'en fait, ici, il y a un amour absolument exclusif qui dérange personne. Et c'était une manière... Ça me fait dire qu'en fait... Il y a une sorte de fantasme ou d'idéal selon lequel, parfois, en philosophie des religions, toutes les religions pourraient rejoindre un Dieu commun qui me semble en fait complètement contradictoire avec ce qui est en jeu dans la relation d'amour, à savoir qu'elle est en tant que telle exclusive, en fait. Et du coup, c'est aussi... Peut-être, oui, le mot relativisme, il est moche, c'est très clair. Et en même temps, il y a quelque chose qui se joue là, c'est que... Quel est l'objet de l'amour que l'amour, enfin quel va être l'objet de l'amour? C'est celui-là qui est relatif. Et avec Descartes, il me semble qu'il est possible de penser que la qualité de l'amour, le type d'amour perçu, est aussi fonction de l'idée de l'objet aimé. C'est-à-dire que du coup, peut-être qu'effectivement, il y a une relation amoureuse avec Dieu qui est différente d'un autre type de relation en fonction de l'idée de Dieu qu'on cultive. Mais sans doute chez un athée ordinaire, agnostique ordinaire de l'agglomération ou du centre de Paris, l'idée de Dieu ne suscitera pas, n'ira pas avec l'idée de l'amour, quoi. Et de la même manière, c'est aussi dans la relation amoureuse entre un mère et un enfant, il se passe ici quelque chose. Comment peut-on imaginer que l'expérience spirituelle, même mystique, y soit complètement étrangère? Voilà, donc c'était ça que j'essayais d'envisager. Et donc tu le mets du côté de l'expérience se faisant, c'est-à-dire de ce qui oui. se produit pour le sujet. Oui, mais parce que depuis une perspective anthropologique, je ne peux pas dire autre chose. C'est ça. Mais... Ce que je dis, c'est qu'on enveloppe la racine même de l'expérience. Ce serait un malentendu. Oui. Mais le risque, c'est... Mais quand tu le précises comme ça... D'accord, très bien, merci. Mais il faudra qu'on en reparle, je pense. Maintenant, pour la question de l'athéisme. Alors, dans cette littérature sur l'universalité de la prière, je ne vois. Ah, tu es là. Pardon. Dans cette littérature sur l'universalité de la prière ou du sentiment religieux, qui donc date hein, désormais, il y a toujours eu des exemples favoris. Au Xe siècle, XIXe siècle et début XXe, l'exemple favori, c'est le primitif. D'accord. Regardez, bien sûr que nous avons tous un sentiment intime de notre dépendance originaire, puisque même les primitifs prient. Eh bien, aujourd'hui, le discours est le même, mais l'exemple a changé. On emploie l'exemple de l'athée. Bien sûr que nous avons tous un sentiment intime de notre dépendance à l'égard de Dieu, puisque même les athées prient. Eh bien, ça, en réalité, je m'autorise l'ombre d'un doute. Parce que, comme je le disais, pour qu'il y ait de la prière, il faut tout un ensemble il faut une certaine sophistication intellectuelle, il faut des représentations. Alors, même si l'athée ne les a pas épousées, il me semble qu'elles sont dans son univers culturel. Et sans l'univers culturel par lequel on se représente un dieu qui est le garant d'un ordre, par exemple... Enfin, j'ai déjà entendu cette notion, mais je ne l'ai pas du tout creusée. Mais en fait, c'est aussi contenu dans le fait qu'il y a une part intellectuelle à l'amour. Et qui dit part intellectuelle dit invitation à l'exercice du jugement. Donc, l'objet d'amour, dans la représentation que j'en ai, doit être discerné. Voilà. Il me semble que c'est ce qui est super avec cette thèse, quoi. Voilà.